meno caduto in aria, arriva l'arbitro, lo ammonisce per simulazione. Ici dans l'avion, on va vous voir en grande discussion avec Jacques Anquetil. Vous n'êtes pas du tout du même avis que lui. Lui, je crois, il vous dit que vous n'avez pas beaucoup de chance de le battre sur corps. Pas beaucoup de chance, non, mais enfin, il dit que c'est pas évident, qu'après une saison aussi chargée comme j'ai eu, qu'il n'était pas certain que j'allais battre le record de l'heure. Un appétit d'ogre, mais ça vous avez toujours été comme ça. Oui, ça, c'était pas un problème. Manger, j'avais pas de problème. Quand vous vous voyez comme ça, avec ce visage-là, ça vous fait sourire, je crois. Oui, quand on voit les favoris, et puis bon, bien sûr, c'est 20 ans plus jeune, la mode a changé, la musique aussi a changé. Vous montez sur la piste, c'est le jour J, et vous tombez en plein folklore, et vous y attendez pas du tout. Non, sûrement pas, et je n'aime pas du tout ce genre de plaisanterie avant un record. Vous savez, j'étais quand même quelqu'un qui était très concentré et je ne prenais pas du tout à la légère. Alors, lorsque vous avez des mariachis qui viennent chanter une chanson avant, j'avais envie d'autre chose que d'une chanson. On dit le départ, là, c'est un boulet de canon. Vous faites le premier kilomètre en 1 minute et 10 secondes. Certains ont prétendu, il est parti beaucoup trop vite. Oui, ben, je suis parti vite. Enfin, je ne crois pas que lorsqu'on s'attaque à un record de l'heure, qu'il faut partir non plus comme un touriste. Le plus dur a été après 35 minutes où là, vraiment, avec la pression des pneus, le développement, à chaque fois, c'est cet écrasement dans les virages. Après une bonne demi-heure, il n'y a pratiquement plus de circulation qui se fait dans les jambes. Quand je suis descendu, j'avais pratiquement plus marché. On voit déjà à l'allure que c'est quand même moins coulant que ce n'était au début. Et bon, c'est vraiment la fatigue. Je n'ai jamais connu une souffrance aussi importante parce que, bon, par exemple, dans un col, vous avez l'occasion de vous mettre debout et vous n'avez pas cet écrasement du virage, quoi. Voilà, c'est Guillaume Méquise qui m'encourage encore sur la fin. C'est presque fini. Il reste 5 minutes. Là, je veux dire que les 5 dernières minutes sont peut-être celles qui vont passer le plus rapidement. On pourrait se dire que les 5 dernières minutes, c'est peut-être les plus longues parce qu'elles sont les choses. Mais alors, non, ce n'était pas les plus longues parce que je voyais la fin. De la souffrance. Donc voilà, là je termine. Là c'est vraiment le soulagement. Hein. Je monte dans le virage et puis vous allez voir, il y a quelqu'un qui va monter sur la piste. Et j'avais plus la force de remonter, je l'ai en irlandais même après, tellement que je souffrais. Eh bien, je dois basculer un petit peu le vélo pour enlever la jambe. Il faut dire que voilà, là, le masque de la souffrance. C'est comme si on pique avec des aiguilles vraiment aux fessiers, quoi. Si on vous dit à ce moment-là, Eddy, vous rentrez à l'hôtel à pied. Ah ben, je dis non, je reste, je dors sous la pelouse. Le record de Moser a coûté à peu près 60 ou 70 millions de francs belges, et le mien, ça a coûté 500 000 francs. Donc, il y a quand même une différence. 120 fois plus. Ouais. C'est pour ça que je pense que si, par exemple, aujourd'hui, Induren, qui est un spécialiste du compte de la montre, s'attaquerait au record de l'heure, eh bien, je pense qu'il peut améliorer le record de Moser de 2-3 km. Peut pulvériser, je pense. Je crois qu'on va avoir des personnes qui vous sont chères, qui vont arriver ici. Jean-Marc là, c'est... Quand je vois ça, j'en ai la chair de poule parce que Jean, quand même, était vraiment une page de ma carrière. Bon, si Pierrot Molteni qui pleure, je ne regrette certainement pas. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Ha ha.